Salut les Italiens, les bouquetins, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui au milieu d'une superbe pelouse, bien ensoleillée, il fait particulièrement chaud, pour une petite vidéo à nouveau sur pourquoi est-ce que j'aime randonner plutôt seul qu'accompagné. Je me baladais sur un chemin un petit peu plus bas et en regardant sur le talus, j'ai vu une épipactis qui est une fleur sans être rare dans le coin, qui est quand même pas forcément très fréquente. Et vu l'avancée de sa floraison, ça veut dire que je suis passé devant plusieurs fois ces derniers jours et que à aucun moment je ne l'ai remarqué. Il se trouve que aujourd'hui c'est la première fois que je me baladais seul sur ce chemin depuis un petit bout de temps et ça m'a donné envie de vous présenter une nouvelle raison pour laquelle je préfère randonner seul qu'accompagné. C'est parti! Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, personnellement, quand je randonne à plusieurs, avec des amis ou avec des connaissances, j'ai tendance à pas mal papoter avec eux et à suivre leur rythme ou alors à être la tête dans les chaussures de la personne qui est juste devant moi. Et tout simplement, une partie du cerveau est utilisée pour être à l'écoute de ce que les autres disent et à répondre ou à participer à la conversation. Et la randonnée passe, et les kilomètres s'écoulent et puis finalement, je suis vraiment plutôt centré sur la conversation et les échanges avec les personnes plutôt que concentré sur l'environnement, sur le paysage, sur les petites fleurs, les insectes et tout ce que la nature m'apporte. Alors que lorsque je randonne seul, eh bien, mon attention est plutôt portée sur ce qui est autour de moi, sur mon environnement. Je suis donc plus attentif, plus ancré dans l'instant. J'ai l'impression que lorsque je randonne seul, ma relation à l'environnement est décuplée par rapport aux randonnées à plusieurs. Et il me semble que pour moi, le fait de randonner seul plusieurs heures ou plusieurs jours m'est nécessaire, car j'ai besoin vraiment d'un certain temps, plus ou moins long, mais je dirais quand même plutôt plus long que plus court, et ben pour faire cette transition entre la vie quotidienne et le fait qu'on court tout le temps, et la vie en montagne, la vie de randonneur, qui est plus axée sur un mode contemplatif. Il y a pas mal de personnes qui arrivent à faire ce switch en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes. Alors il se trouve que c'est pas mon cas, moi je suis un petit peu plus lent, il y a vraiment une grosse inertie. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y arrive beaucoup plus rapidement lorsque je randonne seul que lorsque je randonne à plusieurs. Est génial lorsque le switch est fait, c'est-à-dire lorsque je laisse ma vie de tous les jours derrière moi et que je suis pleinement présent au milieu de la randonnée, c'est que c'est un tout autre monde qui s'offre à moi, qui s'ouvre à moi, que ce soit au niveau des odeurs, des sons, des mouvements. Bref, ça donne beaucoup plus de place à toute la richesse qui est juste présente, qui est accessible au quotidien, mais qui finalement m'est masqué parce que dans la vie de tous les jours, je passe à côté sans faire attention, sans y prêter attention, tout simplement parce que mon attention est portée sur autre chose. Et cette posture-là, du coup, que j'affectionne tout particulièrement, je suis capable de l'atteindre, comme je le disais, uniquement lorsque je suis seul. Et je sais que ce sera d'autant plus facile pour moi de rester dans cette position, dans cette posture contemplative et attentive à l'environnement qui m'entoure, en sachant que je ne suis pas entouré de personnes qui potentiellement peuvent à tout moment, par une question, par un comportement, m'extraire de cet état-là.
Donc voilà, pour résumer un petit peu cet avantage que moi je trouve à randonner seul, eh bien c'est que ça me permet d'être hyper ouvert au milieu qui m'entoure, à l'environnement, et tout simplement de rendre beaucoup plus accessible ce grand spectacle qu'il y a autour de moi, que je ne fais en fait que traverser de manière impersonnelle la grande majorité de ma vie. Quand je randonne seul, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus subtil, et je suis toujours très heureux et surpris de voir à quel point ça me fait du bien, eh bien de me reconnecter, de me rendre compte à nouveau de l'incroyable complexité des choses qui nous entourent, et en fait, en quelque sorte, de retrouver un accès à ce buffet à volonté de tout un tas de choses qui titillent ma curiosité et qui, au final, participent énormément à remplir ma petite boîte à bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo à nouveau improvisée au milieu d'un champ vous aura plu. Si jamais vous vous reconnaissez dans ce type de rapport avec votre environnement, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je serai ravi de vous lire. Et si au contraire vous faites partie des personnes qui se nourrissent durant les randonnées principalement des interactions des personnes avec qui vous êtes, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer aussi. Moi, je serai ravi de pouvoir lire et découvrir des façons de vivre la montagne qui sont éloignées des miennes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les sentiers.